Allez, nous mettons un petit bout de parole ici pour main tangent will be displacement vector. C'était exemple 10 qui nous sert, n'est-ce pas? Oui. Exemple 10, n'est-ce pas, Nuna? Allez, maintenant, je prends les points comme subtitle, c'est displacement vector. Let us have a look at displacement vector. So this is your x and this is y. Allez, je dois vous rappeler qui veut dire position vector. Position vector, je dois vous rappeler qui veut dire. Oui. Displacement vector, par contre, c'est quoi ça? Alors, displacement vector. Les parts sont CDP origin, les parts sont CDP origin au carpitole. Vous avez saisi les parts ici là? Oui. Alors, displacement vector, les parts sont position vector, si vous avez un position vector of A. What is position vector of A? Position vector of A veut dire, alors, ce point de B origin O, voilà jusqu'à point A. De tout l'avoir avec moi là. OB, qu'est-ce que ça veut dire? OB, ça veut dire position vector of B. Position vector of B veut dire point de B origin, voilà jusqu'à point B. Mais par contre, quand nous causons en termes de displacement vector, if I'm going to give you two points over here, alors si je mets ça comme un point A et si je mets ça comme un point B, voilà. Donc tout d'abord que ça c'est cette origine par contre, this is your origin over here. Alors tout d'abord que ça c'est point O par A et tout d'abord ça c'est point O par B. Mais maintenant par contre, qui veut dire displacement vector? Displacement vector par contre dit, dès que vous prenez origin. Dès qu'on prend depuis un point, il prend depuis un autre point, mais pour l'instant seulement il part commence depuis origin. So anytime the starting point is origin, then it is going to be position vector. Mais par contre, la même chose, alors quand il part commence depuis O capital, il commence A vers B, ou soit B vers A, alors ce qu'il nous dit comme ça que maintenant il y a un displacement, nous dit comme ça qu'il y a un displacement vector. Alors voilà, nous passons aussi A vers B, devine displacement vector AB. Donc, il y a bien ces idées aussi là. Oui. So, this is called displacement vector. So, this is called over here as displacement vector. This is displacement vector AB. Donc, il y a bien comprendre quoi aussi là. Oui. Maintenant, c'est sûr, c'est OK là. Hein? So, this is your displacement vector AB. Alors, quand est-ce qu'il peut vraiment éliminer un displacement vector? Éliminer un displacement vector tout le temps quand? Tout le temps quand les parties sont CDP origin. Alors, c'est là qu'on appelle un displacement vector. Vous avez bien ces idées pour ici là? Oui, c'est sûr que c'est OK. Allez, très bien. Maintenant, voilà. What will be formula for you to write down for displacement vector? Par exemple, si je donne zut AB, if I give you AB, a displacement vector AB, en rouge, qui est pointé là? Alors, sur le temps de faire un displacement vector AB, it's always going to be position vector of the segment 1. Voilà. Alors, si vous êtes capable de travailler AB, qui est pour venir tout le temps, est pour venir deuxième moitié de premier. Tout le temps, est pour venir deuxième moitié de premier. Alors, cela veut dire quoi ça? Les bobines OB retirées, les bobines OB retirées OA. Ça, je vous prends en rouge là. Par exemple, voilà, pour exemple, let us have a look at it. Alors, pour exemple, si vous me dites XY. Est-ce qu'ils ont tout d'accord avec moi que XY est un displacement vector? Yes, XY est un displacement vector parce qu'il ne commence pas O. Ils ont tout d'accord avec moi. Ça veut dire XY c'est quoi? C'est un displacement vector. Alors, comment je fais un displacement vector en termes de position vector? Alors, si je n'ai pas travaillé un displacement vector en termes de position vector, tout le temps, il faut une position vector of the second, which is OY, minus position vector of the first, which is OX. Je t'ai bien compris pour ici. Pareillement, comment tu peux travailler AB? Alors, AB est une position vector de second, retire position vector de first. Pareillement, tu travailles XY, de tout la courbe qui est un displacement vector, et pour une position vector de second, retire position vector de first. Ok, it's good for this one. Si toutefois, nous avons comme ça, find AZ, what is AZ going to be? Et pour une toujours position vector of the second, which is OZ, retire position vector of the first, which is OE. Deuxième bien qu'on pense à un peu au là. Oui, c'est sûr, allez, please note it down. Allez, exemple 11, pour un site qui dit que c'est pour la partie A.
Et bien, c'est comme ça, enfin, BQ, petit B, QP, petit C, BQ, et ensuite petit D, toujours QP, mais seulement pour la partie ça, avec des petits amis, ce marque une chute. Allez, have a look at this. Allez, comment est-ce que vous faites pendant que tu n'as pas fait un BQ? Première chose qui se peut faire, eh bien, donc, sont les orientations de displacement vector. Et pour prendre l'ligne de ma coordinée de P avec l'ligne de ma coordinée de Q. Alors, je ne suis pas capable vraiment de travailler avec coordinée de P, avec coordinée de Q, parce que la question est vraiment vecteur. Alors, je te parle avec moi la semaine dernière, comment est-ce qu'il vraiment se fait un vecteur? Comment vraiment se fait une coordinée de un vecteur? Je suis tout d'accord avec moi si P est représenté par négatif 8, 3. Alors, voilà, if P is négatif 8, 3, est-ce qu'ils sont tout d'accord avec moi? Alors, cela veut dire que au P niveau, ça veut dire que OP niveau négatif 8, 3. Ça parle la semaine dernière. Anytime you have a coordinate, alors how do you make it become in terms of a vector? If P is negative 8, 3, means OP becomes negative 8, 3. Mais nous allons voir d'ailleurs la semaine dernière. La même chose pour l'autre côté, alors pour Q. Alors if Q capital is. Alors si Q capital, mettons 4, négatif 2, alors cela veut dire quoi? Alors cela veut dire que OQ, mettons 4, négatif 2 en, ça veut dire que OQ mettons 4 négatif 2 en colonne de tout la peau là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il m'a fait l'évident comme ça? C'est juste pour travailler la partie A et B. Have a look at this. Now, these are starting ingredients for you to tackle parts A and B. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de travailler PQ, vous êtes une fait d'apprendre le même en termes de formule. De tout la peau que PQ, c'est un displacement vector. Oui, et si PQ est un displacement vector, what is formula for you to work out? A displacement vector, in terms of its position vector, alors si vous voulez une position vector of the second, which is OQ, minus position vector of the first, which is OP. Je t'ai fait comprendre ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr, c'est OK. So anytime you have to do for A, displacement vector, in terms of its position vector, alors je dois faire tout le temps deuxième dans cette position, vous tirez tout le temps première dans cette position, alors voilà, ça c'est la formule qui nous servait pour la partie A. Then it is very easy over here. Thus, what is it going to be for PQ? PQ c'est pas OQ retiré OP. Alors OQ c'est combien? OQ c'est 4, négatif 2. Et par contre OP c'est négatif 8. Par contre OP c'est négatif 8, 3. Je vous dis bien qu'on pense à ma partie là. Oui, is it good for all of you? Pas de difficulté pour ça. Très bien. Alors cela vous donne quoi là, là? 4, retiré, 8. Alors c'est 4 moins, 8, voilà le bin 4, retirer, 8, et par contre ici c'est négatif 2, négatif 3. Alors 4 retirer, 8, c'est 4 plus 8 qui vous donne, 4 plus 8 qui vous donne 12, et par contre ici moins 2, moins 3, cela vous donne moins, 2, moins 3, cela vous donne moins 5. So this is your, displacement vector PQ. Good for this one. Et bien ça, je vais pas parler de l'éliminant en termes coordonnés. Juste position vecteur qui me garde faire les retours en coordinate. Par exemple, voilà, si P niveau négatif 8, 3 en coordinate, en termes position vecteur, les coupeaux, négatif 8, 3 en colonne. Ça veut dire si quelque chose, il y a une position vecteur en colonne, alors je me garde retourner en coordinate qui vaut négatif 8, 3. Ça veut dire tout le temps un coordinate, il y a même position vecteur, un position vecteur qui est back against coordinates. Mais par contre, la même chose quand il y a un displacement vecteur, c'est pas possible. Good for this spot là. Hein? Oui, c'est sûr, c'est OK. Alors ça, c'est pour la partie A. Allez, travaillons maintenant pour la partie B. La partie B aussi, c'est la même chose. Alors, c'est votre QP avec moi. Allez, dis-moi, vous êtes tout d'accord toujours que c'est quoi là? QP, par contre, c'est... What is QP over here? Displacement vector. Good for this one. And how would you work out for displacement vector? Alors, je vais faire position vector of the second minus position vector of... minus position vector of the first. Oui. Alors, je fais position vector second, minus position vector of the first. Good. Allez, maintenant, OP, c'est quoi? C'est négatif 8, 3. Par contre, retirer pour OQ. Alors, OQ, c'est 4 négatif. C'est 4 négatif 2. Alors, cela vous donne moins 8, moins 4, qui vous donne moins 12. Et 3 moins, 2, c'est 3 plus 2. Et 3 plus 2, cela vous donne 5. So, this is for QP. Mais ce n'était pas nécessaire qu'il fait mon enfant comme ça. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons que, so if you have to do the same by a second method over here, je vais supposer que vous parce que je dis pas avec moi la semaine dernière, négative vecteur. Négative vecteur qui montre les autres. Négative vecteur montre les autres que, if this is PQ, sur les contraires pour une QP. Vous êtes tout d'accord avec moi? Alors, si toutefois, if we have a sketch for this one, so if this is PQ,
Alors, ce code PQ est représenté par code PQ est représenté par 12, négatif 5. Alors, vous êtes tout d'accord avec moi que le chemin retour est bien les mêmes longueurs, négatif vecteurs. Alors, s'il prend P par Q, répétons 12, négatif 5, maintenant chemin retour qui peut être chemin retour which is QP, les boutons sur négatif. Vous êtes tout d'accord avec moi que QP, les boutons, les tombes négatifs de PQ. Alors, voilà, ça veut dire en d'autres mots, The negative absence band signe, band horizontal and vertical movement, ça pourrait se parler, mais c'est juste qui tu parles en sens opposé. Alors, the tout reconnaît que QP, les pétons négatifs of the vector PQ. Now, if PQ is this, negative of the vector PQ, the negative change signe par 2. Alors, cela vous donne négatif 12 et ensuite positif 5 par ici. Good for this one. Oui, best advice is the second method. Because it is negative vector, ça veut dire que moi, PQP est donc 12, négatif 5. Automatiquement, QP des boutons, négatif 12, positif 5. Good for this one. Oui, c'est sûr, c'est OK là. Maintenant, passons à la partie C. Now, for the part C, OK, il peut dire magnitude of the vector PQ. Allez, pour magnitude of the vector PQ maintenant, magnitude de tout ça pendant la semaine dernière, what is formula for magnitude? So, magnitude for the vector PQ, de tout la courbe, on sait modulus of PQ. Modulus veut dire magnitude. So what is it magnitude? Magnitude c'est quoi? C'est ce longueur.